Les communes du district d'Abidjan, victimes de la forte pluie survenue la nuit dernière, à Bobo, à Niama et Bingéville, sous les eaux. Les consoles de jeux, un passe-temps pour les enfants, mais ils peuvent également en être dépendants. Êtes-vous pour ou contre les jeux vidéo? Des parents se prononcent ce soir. Enfin, lycéennes enlevées au Nigeria, l'Afrique se joint au reste du monde pour exiger leur libération. Bonsoir à tous et merci d'être là sur RTI 2. La pluie a encore fait des dégâts. Plusieurs communes du district d'Abidjan, dont Abobo, Niama et Bingéville, n'ont pas échappé aux inondations après la grosse pluie survenue la nuit dernière. La cité des Évéas, par exemple, dans la commune de Bingéville, est complètement sous les eaux. Plusieurs familles désormais sans abri. Des maisons construites sur des égouts et des canalisations bouchées seraient à l'origine de cette catastrophe. Le Fonds des Nations Unies pour la population en mission en Côte d'Ivoire. Ce séjour intervient dans le cadre du 4e recensement général de la population et de l'habitat. Selon l'UNFPA, des améliorations pourraient être apportées pour la bonne marche de l'opération de recensement. On fait le point avec Grace Kando. Pour une bonne réussite du recensement général de la population et de l'habitat RGPH, l'Institut national de la statistique a sollicité l'UNFPA pour une mission d'appui et d'observation sur le terrain. Il ressort de cette mission effectuée par le Fonds des Nations Unies pour la population qu'il y a des améliorations à apporter pour la bonne marche de l'opération. À l'issue de ces constatations qui sont aujourd'hui validées, puisqu'on avait échangé déjà avec l'Institut national de statistique et le secrétariat permanent, mais il nous fallait la caution du ministre d'État, chose que nous avons obtenue aujourd'hui, qui fait que, comme lui-même l'a sorti comme forte recommandation, c'est maintenant comment on peut se mettre ensemble pour dérouler ces mécanismes en sorte d'aller beaucoup plus vite dans le délai qui a été imparti et validé par le Conseil de ministres. Les villes visitées par l'UNFPA du 12 au 29 avril sont Abidjan, Yamoussoukro, Diokoué et Soubré. On en vient à présent à un phénomène qui touche nos jeunes enfants, les jeux vidéo, les captives. Mais certains ont la réputation d'être violents. De plus, certains parents et spécialistes ont observé des cas de dépendance chez les enfants. Ces derniers vont même jusqu'à oublier les cahiers et les livres. Alors, êtes-vous pour ou contre les jeux vidéo? À quel âge doit-on offrir une console de jeu à l'enfant? Faut-il mettre des limites sans pour autant interdire les jeux vidéo à l'enfant? Des parents se prononcent au micro de Franck Wadio et Thérèse Kofi. Les jeux vidéo, un univers virtuel peuplé de héros de tout genre, les jeux d'aventure, de puzzle et de sport qu'adorent bien les enfants. Mais la tendance est cependant aux jeux d'aventure. Une quête dont la trame est souvent violente, une violence que les enfants s'amusent à reproduire. Quand on fait un jeu d'aventure, on combat les méchants. Je sais le faire ça avec mes amis. Les jeux vidéo, une dépendance préjudiciable aux études, un avis que partagent les parents. J'avais un petit enfant là-même, il ne partait pratiquement plus à l'école. Quand on lui donnait l'argent pour aller à l'école, il allait dans les jeux vidéo, il passait tout le temps là-bas. C'est qu'il avait de mauvaises notes et j'ai tout supprimé à la maison. Vraiment, c'est pas bien pour les enfants. L'identification à son héros, une sorte de projection qu'expliquent les spécialistes. Les jeux vidéo sont des jeux qui permettent aux joueurs d'interagir dans un environnement virtuel. Les problèmes qui peuvent survenir pour un joueur dépendant sont des problèmes de santé physique et des problèmes de santé mentale. À force de regarder les actions dans les jeux vidéo, l'enfant peut imiter et donc passer à l'agression, à la violence. L'histoire des jeux vidéo naît au-delà de nos tropiques aux États-Unis en 1951 par les soins d'un ingénieur américain, Ralph Baer. Des congélateurs pour permettre aux jeunes et aux femmes de la commune d'Adjamé de se prendre en charge. C'est un don de la municipalité et de l'organisation non gouvernementale Programme de réinsertion. La remise du matériel s'est faite récemment en présence de Laetitia Manglé et Sephora Zegui. David Touré, la trentaine révolue, est ingénieur informaticien.
Mais avant d'en arriver là, que de difficultés, pas de domicile, pas de ressources financières. J'ai été même à la gare d'Adjamé ici, j'ai fait plus de 2 ans, j'ai été sireur. Comme je ne me suis pas découragé, j'ai continué en cours du soir et aujourd'hui j'ai pu obtenir mon diplôme. Mais à force de persévérance, il y est arrivé. Aujourd'hui, à la tête de l'ONG Projet Réinsertion Jeunes, il entend faire valoir son exemple en aidant le maximum de jeunes à s'autosuffire financièrement. Pour joindre l'acte à la parole, l'ONG vient d'offrir 100 congélateurs aux jeunes et femmes de la commune d'Adjamé. Une activité menée de concert avec le maire Youssouf Silla. Dans notre programme de campagne, nous avons promis du social à la population. Et aujourd'hui, c'est une des phases de ces promesses qui se réalise. Un rêve devenu réalité pour ces bénéficiaires qui ont en commun un projet, la vente d'eau et de jus surgelés. Ce point commerce afin que, encore une fois de plus, je puisse encore une fois surmonter certains difficultés de ma vie actuellement. Ce congélateur va m'aider à vendre les jus, la glace. Donc je remercie l'ONGPR parce que vraiment, je n'y croyais pas. Je fais de l'eau glacée avec un pignement coup et puis la glace. Non, je suis très contente pour avoir mon congélateur aujourd'hui. Le projet Un jeune et congélateur a choisi comme point de départ à Adjamé. Cependant, les jeunes des autres communes doivent s'attendre dans les jours à venir à recevoir l'ONG Projet Réinsertion Jeunes, toujours dans le cadre de la lutte pour l'émergence des jeunes. Un plan d'urgence pour la reconstitution du couvert forestier ivoirien. Le ministère des Eaux et Forêts et l'association caritative Maïkari ont signé récemment une convention. Cet accord porte sur le reboisement de plus de 100 hectares de forêt, notamment à Anguéguédou. Lycéenne enlevée au Nigeria, l'Afrique et la communauté internationale se mobilisent pour aider à retrouver les 200 jeunes filles kidnappées mi-avril par la secte islamiste Boko Haram. Les Nations Unies appellent à renforcer la coopération antiterroriste. C'est la première fois en Afrique qu'en dehors du Nigeria, un pays abrite une manifestation de protestation contre l'enlèvement de 234 lycéennes de Chibok. À Niamey au Niger, plusieurs dizaines de femmes de la société civile se sont réunies pour condamner ce rapt, mais aussi pour dénoncer le silence de la CEDEAO et de l'Union africaine sur le sort des jeunes nigérianes kidnappées il y a un peu plus de 3 semaines. Elles adressent un message à l'ONU. Nous, femmes de la société civile nigérienne, demandons au Conseil de sécurité des Nations Unies de saisir la Cour pénale internationale afin de poursuivre pour crimes contre l'humanité tous les responsables de la secte Boko Haram. Au plan mondial, la mobilisation ne faiblit pas, loin s'en faut. Au Royaume-Uni, l'ancienne puissance coloniale, plusieurs personnes sont descendues dans la rue ce vendredi pour exiger la libération des jeunes lycéennes nigérianes. Cette manifestation se déroule à Londres, 24 heures après le message de la star américaine Angelina Jolie. Message délivré en marge de la présentation officielle de son nouveau film dans la capitale anglaise. La chose la plus importante à comprendre, c'est que cela se passe parce que les ravisseurs pensent qu'ils peuvent tout faire. Parce que par le passé, il y a eu beaucoup d'exemples de cas d'impunité. Outre des célébrités comme Bob Geldof, plusieurs organisations représentatives de musulmans dénoncent l'enlèvement des lycéennes nigérianes. Depuis Washington, elles lancent un appel à la communauté internationale. Mon organisation appelle avec force à l'utilisation de toutes les ressources possibles pour localiser toutes ces lycéennes qui demeurent en captivité et les remettre saines et sauves à leurs proches bien-aimés. Sur place au Nigeria, des manifestations se poursuivent. Ce vendredi à Lagos, plusieurs dizaines de personnes ont une nouvelle fois demandé aux autorités de rendre à leurs parents des filles kidnappées par Boko Haram. Et pour la première fois, les manifestants ont rendu public les noms des 234 lycéennes. Nous divulguons leurs noms, nous espérons qu'en le faisant, nous pourrons réussir à amener les gens à prendre conscience qu'il ne s'agit pas seulement de statistiques, mais bel et bien de nos enfants. La mobilisation s'intensifie au Nigeria. Elle a abouti à un premier résultat concret. L'implication de la communauté internationale dans les recherches en vue de retrouver les 234 lycéennes.
Dans ce cadre, plusieurs dizaines d'experts militaires américains et britanniques sont arrivés au Nigeria. Un sommet pour tenter de sortir du conflit. Le président sud-soudanais Salva Kiir est à Addis Abeba pour y rencontrer son ancien vice-président Riek Machar. Un premier tête-à-tête censé faire avancer les négociations de paix au point mort depuis le début mi-décembre du conflit qui les oppose. En Afrique du Sud, le Congrès national africain confirme sa victoire aux élections législatives et régionales. L'ANC remporte 62,5% des voix. 63%, le score de l'ANC s'étale à la une de ce journal de Johannesburg, avec la photo d'un Jacob Zuma tout sourire. Malgré les scandales de corruption, la grogne sociale, le vote sanction n'a donc pas eu lieu. L'ANC reste le parti de cœur de millions de Sud-Africains. Tout juste enregistre-t-il un léger recul, 3% de moins qu'en 2009. Mais il conserve la majorité absolue au Parlement. Jacob Zuma est d'ores et déjà assuré d'être réélu à la présidence. Presque partout dans le pays, les gens ont voté pour l'ANC en faisant la distinction entre le parti et le président. Ils sont restés loyaux envers le parti. Autre résultat marquant de ces législatives, la progression de l'Alliance démocratique. Le parti d'Hélène obtient 22% des voix, 5% de plus qu'en 2009. Il confirme ainsi sa place de numéro 1 de l'opposition. Longtemps considéré comme le parti de la minorité blanche, il a réussi à mordre sur l'électorat des classes moyennes noires, notamment dans la région de Johannesburg, où il arrive en tête. Ça veut dire qu'à plus ou moins long terme, lors d'élections provinciales ou locales, dans les régions les plus importantes, l'ANC pourrait être obligé de gouverner avec une coalition ou être chassé du pouvoir par une coalition adverse. Et ça présage de ce qui pourrait se passer à l'avenir en Afrique du Sud. Quant au combattant pour la liberté économique de Julius Malema, il recueille un peu plus de 6% des suffrages. Après moins d'un an d'existence, il s'impose comme la troisième force politique d'Afrique du Sud, ce qui permet au leader populiste de faire son entrée au Parlement et de s'installer durablement à la gauche de l'ANC. Enfin, en Syrie, l'armée est entrée aujourd'hui pour la première fois depuis plus de 2 ans dans la ville de Homs après le retrait des derniers rebelles en vertu d'un accord inédit entre protagonistes. L'évacuation de la vieille ville de Homs, prévue dans le cadre d'un accord entre rebelles et le régime syrien, a débuté mercredi avec le départ de près de 1000 personnes et devait s'achever jeudi soir. Vendredi, les derniers rebelles étaient encore bloqués. Le gouverneur de Homs a indiqué que l'évacuation a été stoppée car certains groupes rebelles ne faisaient pas partie des négociations. Nous continuons les procédures d'évacuation. Dans quelques heures, tout cela sera complètement terminé. Tous les quartiers seront vidés d'armes et de combattants. Le cessez-le-feu est respecté conformément à l'accord qui a été signé entre les deux parties. Grâce à Dieu. Il s'agit du premier retrait des rebelles d'une grande ville depuis le début du conflit il y a 3 ans. Homs est la ville où les rebelles ont subi le plus long siège, une tactique de guerre utilisée par le régime pour mettre à genoux la population locale et la rébellion. À Washington, le chef de l'opposition syrienne a réclamé des armes efficaces pour pouvoir gagner la guerre. John Kerry s'est contenté d'exprimer un engagement à l'opposition modérée. Nous avons pris plusieurs mesures cette semaine afin de démontrer notre partenariat avec la coalition et je me réjouis aujourd'hui de la poursuite de notre dialogue avec la préoccupation commune en Syrie de mettre fin à la violence, de lutter contre le régime et d'atténuer la crise humanitaire. Notre objectif est d'établir une société civile pluraliste, un État juste dans lequel toutes les minorités et les majorités vivront ensemble. Je vous remercie. À Alep, le Front islamique a revendiqué l'attentat contre l'hôtel Carlton qui a fait 14 victimes. L'explosion a provoqué la totale destruction de ce bâtiment historique de l'ex-capitale économique de la Syrie située juste en face de la citadelle. Au même moment, Bachar el-Assad et son épouse célébraient à Damas la journée des martyrs en souvenir des nationalistes exécutés en 1916 durant l'occupation ottomane.
98 ans plus tard, 150 000 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre il y a 3 ans, au rythme de plus de 200 morts chaque jour. Voilà, on se quitte sur cette actualité, mais on se retrouve bien entendu demain, samedi 10 mai, toujours sur RTI 2.